Tikana prophétiser na vie. Bisika baninga bazokufa okufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie, tu vas commencer à dominer sur cette terre. Même tu l'avais dit, tu l'as dominé. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo, n'a commis sur intouchable, n'a commis sur bino invisible. Na yoko kosa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya denye wa. Yeah.
nous t'adorons. Nous t'adorons ce matin. Nul autre n'est semblable à toi. Tu es tout pour nous. Notre victoire. Notre joie. Notre paix. Notre force. Nous t'adorons. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Que toute la gloire soit rendue. Et que nous continuons ce matin. Présence na yo etambola elongo na biso. Puisse ta présence aller avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa. Merci père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Apesi bino banso mbote bisika bozali. Je vous salue tous de partout où vous êtes. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Et na pambolizambe pour chacun de vous. Et je bénis Dieu pour tout un chacun de vous. Et que vous réagissez par rapport à Bamatea Oyo. Et par rapport à vos réactions concernant cette prédication. Mutu mususu akomelinga elobi alobi papa. Quelqu'un m'a écrit disons c'est comme si on était venu m'accuser chez toi car tu as prêché concernant ma vie. C'est le Saint-Esprit. Les Allemands du moment saint. Alléluia. Amen. Toujours banalis sous, toujours continuer thème la vie principale, examination de soi-même. Nous continuons notre thème principal, omita la vie somoko. Alléluia. Amen. Togotanga, nous allons lire Ephésiens 5, après tout zongeliba texte nabiso principal. Commencer dans le livre d'Ephésiens au 5e chapitre. Alléluia. Amen. Ephésiens 5. Tous autant à partir verset 15. Ephésiens 5, verset 15, version Darby. Le Christ luira sur toi. Prenez donc garde à marcher soigneusement. Voilà. Non pas comme étant dépourvu de sagesse, oui. Mais comme étant sage. Verset 16. Oui. Saisissons l'occasion parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Merci. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage. Ngonga isengeli totambula na sagesse yangoyo. Saisissons l'occasion parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Mauvais. Les jours sont mauvais. Voilà pourquoi thème ya sanzoyo, examination de soi-même. Voilà la raison de notre thème de ce mois, examination de soi-même. Ce qui toujours prendre garde te, toujours mitala te, toujours ça la examination de soi-même te. Toko bunga. Si nous ne prenons pas garde à nous les examiner nous-mêmes, à faire la rétrospection de nos faits et gestes, nous serons égarés. J'aime cette personne qui m'a écrit à l'obi, ça c'est moi complète. J'aime la personne qui m'a écrit. Vie de prière équité, communion équité, ça c'est ce qu'on appelle l'examination. Et voici on a besoin à l'obi, si tu as échoué au test, ce qu'on a fait. Quelque chose. Alléluia. Parce que la parole prophétique est claire à l'obi dans le dernier jour. L'amour de beaucoup vont refroidir. Et Jésus m'a dit à l'obi, si je revenais sur terre, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? C'est deux choses que l'ennemi a combattre dans le dernier temps. Parce que dès que Kondimanayo et Koufi, nous sommes sili. Parce que la christianité, la foi chrétienne,
Mete kondimanyo so yango wana soki ozoko eba komita la te kibondimi na yo nyo soki mo Kristo wana ekosila. Pwete to bigi yango nde kondimaya kibo Kristo kuzala lokola Kristo. Nous sommes sauvés par la foi. La justice par la foi. L'élèvement par la foi. Pour se plaire à Dieu par la foi. Voilà pourquoi l'objectif principal est à kwatike kondima nayo. Et voilà pourquoi on doit faire l'examination de soi-même. Autocritique. Osali introspection. Osongi na kati na yo mitali malabo. Omisali test. Tu te testes toi-même. Tokoloba constat ou check-up. Tu établis un constat de ta manière de vivre. Voilà. Ce que Monique a échoué na test. Fais quelque chose. Ce que Monique a kake mine sikawana sala likambo moko. Awalobi prenez donc garde à marcher soigneusement. Non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage. Prenez garde. Ça, c'est notre responsabilité personnelle. Biblique principale, 2 Corinthiens 13, 5. Nous revenons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Verset 13, 5, version d'Arbi, je lis au nom de Jésus. Examinez-vous vous-même voilà. Et voyez si vous êtes dans la foi. Mm-hmm. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous. Alléluia. À moins que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. Examinez-vous vous-même. Fais autocritique. Yo tala penza bomo ina yo lobena ya monenge sengeli kozala. Considère votre conduite. Landela etamboli na yo. Est-ce que tu es encore dans la foi ou pas? Yo zana no na kati na kondimato esio bimi libanda. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 version message. Testez pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Voilà, donc ils vont tester coronavirus. Ils vont tester. Faut pas y va ceux qui vont en coro. So, testez vous-même si vous êtes dans la foi. Dans la foi. Vous regardez Seigneur tout ça la test. Vous regardez Seigneur tout ça la check up de temps en temps. Vous regardez Seigneur tout ça la constat cette version nous soit lobby. Fais les contrôles régulièrement si vous êtes encore dans la foi. Amen. Par les manières que tu vives. Voilà. Hein? Testez pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Mm. Ne dérivez pas en prenant tout pour garantie. Mm-hmm. Faites des contrôles réguliers. Faites des contrôles réguliers. Faites des contrôles réguliers. Yeah. Vous avez besoin de preuves de première main. Oh. Pas de simple prétendu que Jésus-Christ est en vous. Alléluia. Testez-les. Hmm. Si vous échouez au test, voilà. Faites quelque chose. Faites quelque chose. J'aime ça. Si vous échouez au test, faites quelque chose. Faites quelque chose. Ce que mon lien était au Kakemine Sikawana, Sala Likambo. Version message, right? Praise the name of Jesus. Mais non, tu as sauté tout qu'il y a dans Lamentation chapitre 3, verset 40 et 41. Dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 40 et 41. Lamentation chapitre 3, verset 40 et 41. Verset 41, version d'Arbi. Verset 40. Recherchons nos voies. Escrutons-le et retournons jusqu'à l'Éternel. Élevons nos cœurs, verset 41, avec nos mains vers Dieu dans les cieux. Alléluia, encore. Verset 40. Ouais. Recherchons nos voies, escrutons-le et retournons jusqu'à l'Éternel. Verset 41.
Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux. Recherchons nos voies. Moussous Alobi, considère vos voies. Et scrutons-les. Voilà, scrutons, c'est-à-dire, cela autocritique, évaluer. Omitala. Et ce qui est monique ma bé, retournons jusqu'à l'éternel. C'est-à-dire, bêta 6, Baluka Zongela Zambé. Version français courant, Lamentations chapitre 3, versets 40 et 41. Examinons de près notre conduite. Voilà. Et revenons au Seigneur. Examinons de près votre conduite et revenons au Seigneur. Solution, Yangwan. C'est ça la solution. Yangwan, alors, faites quelque chose si vous échouez au test. On doit faire ça régulièrement. Ce que vous avez la bonne côté, vous avez la constaté, vous avez la examination de toi-même, ou bien autocritique, vous avez la bonne côté. Parce que vous avez la d'abord. Est-ce que vie de prière n'anga est ça ou bien c'est quitté? Est-ce que communion est ça ou bien c'est quitté? Il y a communion ou non? Oyomo komiébi. Toi-même tu te connais. Voilà. Est-ce que le lingo zo vivre maintenant? Est-ce que ça malamu atenke mwana nzambe? Est-ce que ta manière de vivre est-elle bonne pour un enfant de Dieu? Voilà. Parce que dans Gongo yo le diable est debout. Il y a que boma kondima. Parce que c'est un Zambé. Aïe, qui est un Zélé, qui est royaume. So, azo vise en haut. Tout ce temps, plus de communion fraternelle. Yonso, on a visé nini, votre foi. Et mon cousin, soit si à mon yango, musica. Aïe, quand je serai de retour, trouvera-t-il la foi sur la terre? Scandale et à dengue contre l'église. Divers scandales contre l'église, toujours l'église. Caca église. Seulement l'église. L'église est réveillée. Pourquoi? Ce sont des stratégies de l'ennemi. Ils allaient mailler les amongouna. Voilà, pas dans Zambé, il faut être sage. Pourquoi les enfants de Dieu doivent être sages? Pourquoi tu as nagé à l'ennemi? De ne pas être pris au piège de l'ennemi. Moutou mon côté, à Koufa qui pour n'a yon écoulé sous Ignac que Jésus. Nul n'est mort à la croix pour toi si ce n'est que Jésus-Christ. Aza la référence na yo principale. Que seul lui soit ta référence principale. Quoi qu'il arrive, elongula yo nanzela ya kondimate. Vents et marées peuvent venir, mais que cela ne te garde. Ce sont des choses qui doivent arriver. Et Zali Makambo Sengeli Koko. Yesu asia l'obinion soa. Jésus l'avait déjà tout dit. Alléluia. Amen. Ok. Version Lingala, verset 40. Merci. Tota la malamu peza bizaleli na biso. Tosa la nini? Tota la malamu. Nani akota la yo moko? C'est toi-même qui vas scruter. Nanzela bizaleli yo ndeko yeba soki ozana na kati ya kondima ou bien aussi obimi aussi obungi. Parce que ozota la makambo ozo sala, est-ce que au comparer ango, est-ce que c'est normal? Pour na yo atanki mwana zambe. C'est comme ça, examination. Et Bible l'obinini, l'obazambe l'obinini. Que dit la parole de Dieu? Il faut tout ça la contrôle oyo régulièrement. Devons régulièrement faire ce contrôle. Ce que vous avez un Saint-Esprit na katina yo, au monde que oko zala coupable et ozongi. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, tu verras que dès que tu es coupable, tu reviendras vers lui. Yango français courant l'obi, examinons de près notre conduite et revenons au Seigneur. Yangwana na mokanda ya français alelo balobi total na boke binyo sobo mo inamiso peto zo. C'est ça lingala. Total la malamu peta bisaleli na biso. Peto zonga epai ya Yahweh. Peto zonga epai ya Yahweh. C'est-à-dire solution isaka kai pai na. La solution est en Jésus. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Et totali na ba Kyut na biso leka to moni enfant prodige abungizela. Et durant nos cultes passés, nous avons parlé de l'histoire de l'enfant prodige qui était égaré. Asengi tata apesa ye par na ye héritage. Il a réclamé au père sa part d'héritage. Papa apesi. Le père le lui a donné. Ake ko mene vie à débauche. Et il est allé mener une vie de débauche. Asile signons.
Il a tout dilapidé. A commis qu'on souffrit. Il a commencé à souffrir même. Jusqu'à ce que a commis n'a pas allé à Biloko et Bangoulou. Jusqu'à désirer même la nourriture des pourceaux. Maintenant, un jour, Motolomoko a vendu à Mitali. Il a commencé à réfléchir profondément. Mais vie n'a pas mené au la vie que je mène. Et bongi pour n'engaïté. Ne me convient pas. Oh. N'gaï. Moi. Mais chez mon père. Et père à tata n'a pas. Pas na moussala bazo la lanzalate. Même les domestiques ne meurent pas. Baza bien. Ils sont bien. Il a réfléchi. A il a examiné. À l'année de Makabo. J'ai mon corps. Seul. A eu décision. Il a pris la décision. Na zongi la tata. Non, je dois revenir au père. Na yeko yep sa yo soki. Maloba oyo et toutio zongela. Je viens te dire, si ces paroles te touchent, retourne vers ton père. Zongela. Retourne vers ton père. Zambe alingite liwa ya mutu mokote. Il n'y a que le diable qui vient voler, détruire et égorger. Dieu ne veut la mort de personne, seul le diable veut voler, détruire et égorger. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. A zongeli tata. Il est rentré vers tata a yambié na maboko yonso. Le père l'a accueilli dans ses bras. Soki otangi. Si vous lisez la parole de Dieu nous a dit. Le banatame est allé sibiso. Il a réfléchi. A kanisa ki malambo. A sali autocritique ya vie nae. Il a fait l'autocritique de sa propre vie. C'est ainsi a zui décision na zonga. C'est alors qu'il prit la décision de retourner au Père. Nasambeli yambangolu ya kozonga. Reçois la grâce de retourner au Père. Soki mutu abungizela akina ate na nzela ya kobunga. Normalement, il faut abet abaluka. Si tu vas quelque part et que tu es garé, dès que tu le remarques, tu ne vas pas continuer. Tu vas faire demi-tour. Alléluia. Amen. Il faut bino biso bana nzambe tozala sage que na dernier temps oyo to komi. Enfants de Dieu, devons être sages qu'en ces derniers temps que nous avons atteint, projet ya ennemi. Le projet de l'ennemi. Ezake kondima ya bana nzambe ekufa. C'est d'atténuer, d'amoindrir la foi de nombreux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ibikaka nanzela kondima wanande okosepeliza zambe. Tout est fait par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Et azo vise kondima nayo. Quand il n'y a plus de communion fraternelle, comme il n'y a plus de communion, Kondima ezokufa à petit feu. Et voilà pourquoi il est en train d'affecter la foi de nombreuses personnes par ce manque de communion, car par manque de communion fraternelle, la foi est en train de s'amoindrir à petit feu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tous là. Aujourd'hui, nous allons voir. À partir de Galates chapitre 6, encore, tout le monde. Dans la lettre. Et tout le monde, comment. Quoi faire pour solidifier Kondima na biso? Nous verrons que faire pour solidifier notre foi. Parce qu'il y a le but, examinez-vous. Si vous êtes encore dans la foi. Alors, Bibo, ta la bomi mekana le bimogo. Est-ce que vous avez kakati na Kondima? Toi aussi, au Mimi. Total Galaxies. Verset 4. Galates 6, verset 4, version d'Arby. Oui. Mais que chacun éprouve sa propre œuvre, et alors il aura de quoi se glorifier, relativement à lui-même seulement, et non relativement à autrui. Merci. Je lis version français courant. Alors dit que chacun examine sa propre conduite, s'il peut en être fier. Il le sera alors par rapport à lui seul et non par comparaison avec autrui. Que chacun examine sa propre conduite. Amen. Version parole vivante, Galates chapitre 6, verset 4. Que chacun contrôle et juge son comportement. Oh non. Qu'il examine d'un œil critique. Oh, yo. Sa vie et ses actions. Mandela tata. Verset 4. Que chacun contrôle et juge son comportement.
Que chacun fait quoi? Contrôle. Et juge. Et juge son comportement. Tu vois? Chacun. Et là, on a un abîme, ça, ou ça, il y a pas responsable. Moutouté, kaka yo, na conscience na yo. Yo ndi omi yebi. Alors, chacun contrôle son comportement. Et juge. Zala juge ya yo, moko, avant jugement ya zambé, et quitte la yo. Sois ton propre juge avant que le jugement de Dieu ne s'abatte sur toi. Parce que je disais ceci, notre vie, ce n'est pas seulement ici-bas. Après la vie ici-bas, il y a la vie éternelle. Et c'est ce qui est très important. Bongo inabiso ezaka ka awa na mokilite sima ya bongo oyo ya nzoto ezana bongo ya seko wana ndele ki motuya mingi. Alléluia. Amen. Et nangonga tozoko moyo tous les paroles prophétiques dans la parole de Dieu ezoko kisama pona kolakisa biso ke nous approchons vers la fin. Et tokomi nangonga oyo maloba nyonso masakola maka kete loba na nzambe ezoko kisama na miso na biso pona koloba na moko na moko na biso ete tokomi pene pene ya suka. Soki eloko eza na commencement yebake eza na suka. Et si quelque chose a un commencement, sachez que cela a certainement une fin. Osombi elamba osepeli nango mingi osombi sapato osepeli nango mingi yebake un jour elamba wana sapato wana ekokufa ekomi comme poussière. Tu achètes un vêtement, une chaussure, même si tu l'aimes tellement, sache que un certain jour, cet habit n'aura plus de valeur devant toi. Oloni zetelelo. Tu sèmes une plante aujourd'hui. Un jour, zetewana ekokufa. Un jour, cet arbre finira par. Chaque chose qui a le commencement a la fin. Et l'otonio soro ezana ebandeli ezapela soupe. Yango ami bengi. L'alpha et oméga, le commencement de tout et la fin de tout. C'est-à-dire, makambozo mona, ezo saimna mokili alelo, ezo tay sabizo ke, nous approchons vers la fin. Yangwanande ya mibengi, alpha pe oméga, elingi koloba, e bandeli ya nyoso, pe suka na nyoso, pona koloba na biso nyoso, wanede, toza pene ya suka. Aloba ki ango, na réponse, na baye kolinaye, tango batunye, quels seront les signes de fin de temps dans Matthieu 24 et à Zongsi réponse que voici tel et tozo mona yango lelo. Il avait dit en réponse à ses disciples qui lui avaient posé la question touchant la fin des temps, il avait étalé un après l'autre. So, chacun doit faire contrôle de lui-même. Dans la situation on n'a pas joué. Version parole vivante Galates chapitre 6 verset 4. Mm. Que chacun contrôle et juge son comportement. Mm. Qu'il examine d'un œil critique sa vie et ses actions. Mm. S'il y découvre un aspect louable, que ce soit pour sa satisfaction personnelle. Voilà. Mais qu'il garde sa fierté pour lui et n'en fasse pas un état devant les autres. Voilà. Mesurez-vous par rapport à vous-même et sans vous comparer à autrui. Voilà, ça c'est bien ça. Alléluia. Amen. Et notre version. Lingal alelo. Kasi moto na moto atala malamu bezalelina ye. Moto na moto atala malamu bezalelina ye. Soki tolobi toza bana nzambe ndako ndeko e bizalelina yo eza mabe. Oza c'est pas normal. Oui, to yambaka Yesu bala moko esprit na yeza converti mais il faut renouvellement. Il y a caractère bizalil nayo à travers de la parole de Dieu. Certes, on reçoit Christ une seule fois dans la vie, mais chaque jour, il faut que la parole de Dieu puisse renouveler ton caractère, ton comportement. Voilà. Nangonga to komiyo, ezangonga mwana nzambe, il faut azala attaché à la parole de Dieu parce que c'est là se trouve ta foi. Banque de la foi, c'est la parole. Et
qui a condima et singa condima et vandi ezane na kati ya liloba na nzambe yango soki ozana attente pour la communion dans la parole et quoi affecter yo condima na yo et komanda kufa à petit feu et quoi affecter aussi bizaleli na yo caractère parce que na kati ya parole de koyeba ke c'est comme ça un enfant de Dieu doit vivre ça un enfant de Dieu peut pas faire ça et ça ça. Et voilà pourquoi celui qui n'a pas de temps dans la communion avec la parole de Dieu, il aura des répercussions sur sa conduite, sur ses manières de vivre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous montre que faire, nous montre quoi faire à chaque moment. Ok. Kasi moto na moto atala malamu bizaleli na ye. Voilà. Boye akoki kosepela pona yango na kati ya motema. Kasi akanisa tete aleki batu mosusu. Merci. Mutu na mutu atala bizaleli na mutu na mutu denge uza wana zalaneti enfant prodige soit comme l'enfant prodige il est loin musika na tata abungi il était égaré vide de bouche mais avandi amitali. Il a commencé à regarder. Et a zui résolution, a zui décision, a zonga. Il a pris la décision de rentrer vers là où il n'y a pas de l'examination autocritique. En tout cas, naïf si omutu akobunga libela. Là où il n'y a pas d'examination, tu seras égaré à jamais. Singa oyo zongi saka mutu nanzela eza autocritique, auto-examination. Et la corde qui peut te ramener sur le droit chemin, c'est la rétrospection, l'auto-examination. Alléluia. Amen. So, c'est très important. Et comment on fait ça? Parce que quand nous parlons d'examination de soi-même, si vous êtes encore dans la foi, c'est-à-dire, comme la foi est l'objectif principal, la foi vient comment? Par la parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Yeshua Masih a dit, l'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole est là pour te consulter en gauche chaque jour. La parole est là pour que nous consultions tous les jours. Si tu as le Saint-Esprit en toi, parole wana ekobanako tuta yo na motema. Cette parole va commencer à te toucher. Et pendant que corriger yo. Cela va commencer à te corriger. Et non, tu ne peux pas faire ceci. Non, tu ne peux pas faire cela. Aussi longtemps que tous nous avons soufflé, aussi longtemps que nous avons du souffle dans nos narines, tu peux tout changer. Mais dès que au kati mepema et katani, c'est fini, jugement. Dès que ton cœur s'arrête de battre, tu n'as plus de souffle, c'est fini. Alléluia. Amen. Voilà. Alobi, l'homme ne vivra pas selon par le pain. Na place au tangina, Somme chapitre 119, verset 58 ou 59. Alobiango, na kolinga tozongilango, situation mususu. J'aimerais que nous y revenions. Psaume chapitre 119, verset 59. 59, oui. Alobi, j'ai considéré mes voies et je suis tourné vers ton témoignage. Mususu alobi, commandement, qui est la parole. Tanga ponanga, maman. Psaume 119, verset 59. Verset 59, version Darby. J'ai pensé à mes voies et j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages. J'ai pensé à mes voies et j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages. Verset 60. Non, ça va. Alléluia. Amen. Version Mosusu. Une autre version. Allô bien, allô bien. L'a dit mieux. Version Semeur. Oui. J'ai réfléchi à ma conduite. Voilà. Et j'ai réglé mes pas sur tes commandements. Oh, alléluia. Amen. J'ai réfléchi à ma conduite. À ma conduite. Et j'ai réglé mes pas sur tes commandements. Alléluia. Ah. Sur tes commandements. Commandement, c'est quoi? Commandement, la parole. J'ai réfléchi à ma conduite.
et j'ai réglé dans sa réglage, j'ai réglé mes pas sur tes commandements. Alléluia. Amen. Tango moni et tamboleli bizaleli est contre la parole. Quand tu es dans la parole, quand tu communes avec la parole, et que zongisa yo nanzela. Alléluia. Parce que oyebi ke lilobazambe lobiboye, elobiboye, elobiboye. Yango esengelite toza la musika na lilobazambe. Denge to lia ka biloko pona nzoto oyo chaque jour. De même esengelito lia pona molimo aussi chaque jour. Sinon molimo akolemba. Amen. To leisa kanzoto. Nous nourrissons le corps. Mingi, mingi. Wana, baza a besoin de toye kolangote. Mais problème yaba être humain ezande ko leisa milimo. Le problème d'être humain, c'est nourrir l'esprit. Voilà. Et n'oublie pas, nanata kisayo, que l'homme a trois parties. Esprit, âme et corps. Ça, c'est la vérité. L'homme a trois parties. Esprit, l'âme et corps. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22 et 23. J'aimerais que nous lisions dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Dengue tous à boire, tous ceux là, monsieur, tous ceux là, ils sont autour. Tout le monde s'assied à Meli thé. Ceux qui à Meli café thé, à Kobe maté. Assied à Pakoli Ango Mafuta, nous autour. À Sukoli nous autour. À Latisi nous autour. Il a déjà vêtu. À Sali maquillage, maquinos, maquille tout, maquimisu, maquimunoko tout. Maintenant, esprit à Pana, à Sali Angote. Il n'a pas fait. Oh, Je suis là. Parce qu'après la vie physique, il a la vie éternelle. Tel que nous nourrissons, nous prenons soin de ce corps physique, nous devons prendre de même soin de l'esprit. Car le corps va périr, mais la vie éternelle. Et c'est ça la guerre du temps de la fin. Même bête, abimeli Adam na Eve, abimeli Eve, alobe lia fruyo, ezakitoko, et comme si on mayele, balie, bakoufi. Même la bête, yo yo, na Apocalypse 13, azo ya lisusu, ko popese o fruit mususu, balobi, eloko soki o tjena nzoto na yo, eko simplifie makambo, tu, identite na yo ezana kati, nyoso, o saliboe, television ishanje, chaine, o saliboe, porte ya ndako efungole mpuna yo, parce que zane loko moko, étranger na loboko, o saliboe, ba porte ya kompanie efungole mpuna yo, bazo talisa yo, facilité technique. Mais je te dis, kaka denge Eve aliena Adam bakufa ki bozambe denge moko oyope ezapuna ko boma. Amen. Le diable ne fait rien pour na bolamu ya mutu. Suka suka, il va te détruire, achevé. Toza la sage. Soyez sage, bien aimé. Azui premier Adam. Il a pris le premier Adam. Deuxième Adam a y a restauré. Le deuxième Adam a restauré. Maintenant, Pitouba Yasuka Yangozo Mona. Et voilà pourquoi tu vois la guerre de cet homme. Entre le ténèbre et la lumière. Tatina Dole Pemolili. Il est la guerre. Et Touba Ezali. Pour la âme, Nayo. Concernant ton âme. Contestation et salé manaminito dans le monde spirituel. Il y a guerre dans le monde spirituel. Pour nakobenda batwe belé na lifelo.
pour attirer une multitude. Mais Yesu alobi, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Yango bien-aimé. Voilà pourquoi bien-aimé. Bituma yatango asuka ezako éloigné biso na communion fraternelle. La bataille de ce temps de la fin a pour but de nous éloigner de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Parole c'est bimi depuis 2019 baba loi kili kili kobima na mokili pa na mboka mkona mokili. Ce que nous parlons c'est global. Les paroles ont été déjà sorties depuis plusieurs mois passés, depuis les années passées, qu'il y aura des lois qui seront promulguées partout dans le monde, touchant la foi. Makamotangi na Bible yango ezo salima. Ce que nous avons tous lu dans la parole de Dieu, les voilà s'accomplir. Chaos total, les autres salima. Il y aura des familles, il y aura des makambo pele. Mais celui qui est sage, Nangongoyo, akolonga. Celui-là sera vaincu. Tanga ponangaye, verset 22. Regarde. 1 Thessaloniciens, verset 5. Oui. Chapitre 5, verset 22. Oui, et 23. Au nom de Jésus. Abstenez-vous de toute forme de mal. Voilà. Verset 23. Abstenez-vous de toute forme de mal. Qui va abstenir? Toi-même. 23. Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche. En la venue de notre Seigneur. En la venue. Quand vous avez dit, de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là chaque jour. Aide-moi, n'allez-vous qu'il y a un livre, sauve-moi. Sunganga, Ezalo Sam. Que vous avez dit, Mbamikro et l'obité, que vous avez zéro forte, Neko. Ezalo seulement élection par choix. Ne veut pas dire que tu es parfait, c'est juste l'élection de Dieu. Alléluia. Amen. Abstenez-vous de toute forme de mal. Or, le Dieu de paix, lui-même, vous sanctifie entièrement et que votre esprit, oyoki esprit, et votre âme, et votre corps. So, l'homme a trois parties, esprit, âme et corps. Mais, biso te concentra qu'à la troisième, corps. Âme, te laisse rien. Parce que wana de babengi renouvellement. Amen. Renouvellement de votre intelligence. Tout ça là quand le côté troisième wana de to pakole mafuta. To bongi susuki na ye. To tie peinture na elongi. To maquiller longi wana. Alléluia. Génération ya biso lelo il faut keba. Aza denge mususu na buto. Sokina ngai bimino ba jeune biso toza trop tard déjà mais il faut tala tango azola mkaratongo ndio ye biso ki aza mwasi kitoko bien. Alléluia. Amen. Olimbisi mke. So, ba makie ba tje kulo, ozu ye ba te, ba tje kulo ya zolo, kulo ya misu, kulo ya mnoko na yolemo, tu mazaka alati bilamba, nyoso. Me, omoni mutu ango olubi prop, me na esprit salite. Nani azo comprendre comme nazo loba. Oh l'homme est esprit, âme et corps. Mais biso nyonso tozo concentrer na corps. Maintenant, si on va donner cette sacrifice to pesa ka corps, to pesi esprit, âme, esprit et âme. Makambo eko changer. Amen. Makasi ya mutu e vandi na place mi balewana. Esprit et l'âme. Mais, tu kipa kayango, et c'est ce que Jésus est en train de dire. L'homme ne vivra pas seulement par le pain. Pain, on a pain. Ozo le sanini, kaka, corps. Tu nourris seulement le corps. Mais l'homme vivra par toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et Yesu alobe nini, mes paroles sont esprit et vie. L'être humain a trois parties, esprit, âme et corps. Mais la majorité des chrétiens aujourd'hui, malheureusement, s'occupent soigneusement de leur corps, ignorant l'esprit et l'âme. Or, c'est la parole de Dieu qui s'occupe de l'âme et de l'esprit. Kitoko na elongi, kitoko na nzoto, me mabe na molimo. Mabe na bizalele. Tu es bon de figure, tu es belle de figure, mais côté esprit, côté comportement, c'est le père. Moni moi, mutu kitoko metangwa kubimisa parole. Okoyina se caractère zate bizaleli mabe. Tu peux voir quelqu'un à l'apparence d'un ange, mais quand il va ouvrir sa bouche à parler, c'est un comportement déplorable. Voilà pourquoi il faut te zonger là. Ma commune, selon Romains 12, alobi, renouvellement de votre intelligence. Faisons pour la terre. Ne pas conformer aux écritures comme vas-y, monsieur. Alléluia. Version le livre. Merci. Éloignez-vous du mal sous toutes ses formes. Verset 23. Que le Dieu de paix lui-même vous rende tout à fait pur et qu'il garde votre esprit, votre âme et votre corps fort et irréprochable. Jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Amen. Bandila verset 22. Verset 22. Éloignez-vous du mal sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Alléluia. Amen. Éloignez. Et 23. Verset 23. Que le Dieu de paix lui-même vous rende tout à fait pur et qu'il garde votre esprit. Esprit. Votre âme. Âme. Et votre corps fort et irréprochable. Alléluia. Irréprochable. Amen. Jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus revient. Jésus revient bientôt. Azoya kobala église yanaye. Il revient poser son église. Et moi signe ce bazo bala ye ndeko abimaka pambate ata ngana na monite na tala ka Maria mkula Maria azakande kitoko boye akoti na maki moi signe ce tala mkula libala le jour du mariage. Mutuyo so abimaka kitokos. Toute femme est resplendissante. Ba kotisie na salon. Elle va dans un salon. Ba décorer ya mutu, ba décorer ya misu, ba décorer ya zolo, ba décorer même tina minu. Ba décorer yonso. Tango abimi olobi, oh, a changé. Tu verras comme c'est une personne. Ozo ye ba ye lisusute. Tu ne la reconnais même plus. So, mutute ayakaka mukula libala. Ayaka na salité. So Yesu azo ya kobala église ya naye azo zonga il faut akuta nana yonangae dege nini propre. Alors de même pas mon premier propre. Jésus revient prendre son épouse, il doit nous trouver vous et moi non seulement prêts mais aussi propre. Alléluia. Selon ce qu'il a dit, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à Zozonga. Il revient certainement. Yango bitumbo yoyo Zozomona ebani. C'est la raison de la guerre que vous voyez aujourd'hui. Nasina lobi maintes fois na zoloba nyonso eza bitumba entre ténèbres et la lumière. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, tout ce que nous voyons aujourd'hui, quoi qu'il arrive, c'est la guerre entre les ténèbres et la lumière. N'extrapole pas la parole de Dieu, non, elle s'interprète d'elle-même. Est-ce que vous avez dit? Allo bien, clairement. Est-ce que tu sais, il a dit clairement. Et ozo monango, ezo koki sama. Et vous le voyez, nous le voyons tous s'accomplir. Alléluia. Amen. Yango mutu na mutu. Il faut considérer Zelanae. Voilà pourquoi tout un chacun a sa autocritique régulièrement. Doit s'autocritiquer régulièrement. Et abongisa. Et réparer. Pouete akutana na yonangaite na état mabe. Afin qu'il ne trouve pas dans un mauvais état. L'homme et esprit, âme et corps. Moto,
Asali de molimo molema benzoto na su. Dès que tu soignes corps. Dès que nous soignons le corps. Il faut te soigner esprit et âme. De même, prenons soin de l'esprit et de l'âme. Tu peux ça épiler na yango. Donnons-lui sa nourriture. Yango mko alibala omoni ba soigner zoto abimi. Dès que mko soigner esprit âme. Le jour des noces, vous voyez, on soigne le corps d'une femme, d'un homme, afin qu'elle soit resplendissante. De même, soigne ton corps, soigne ton esprit. Côté wana ezo la lanzala. Ces deux aspects sont affamés. Or, oh, yangonde force yamoto. Or, c'est ça la force de l'homme. Yangonde ko fait yo vivre. C'est ça qui te fera vivre. Yangonde, l'homme ne vivra pas. Vivre. Pas seulement ko soigner zoto, mais aussi ko soigner. Esprit, âme. Voilà pourquoi il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du fait qu'il s'occupe de son corps en le nourrissant. Non, il doit s'occuper de son âme et de son esprit. Alléluia. Amen. Une autre version, sinon. Ok. Romain. Alors, Romain. Nous allons dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12. Sonde Kudangai, est-ce que vie de prière n'a eu Esa? Est-ce que vie de communion dans la parole Esa? Est-ce que bolingo pour nous makamazamba Esa ça la constat? Établi un constat, il y a toujours la communion. Ceux qui basent leur bas makamaya le sambo, aux yeux cadengi ne croquer des prières, aux yeux sentir, aux années singobi, aux akolul, aux akunante, neko yeba que il y a un problème. Quand on parle de la prière, es-tu heureux ou es-tu malheureux, es-tu déprimé ou exténué? S'il y a quelque chose. Est-ce que au télémakakutu ko sambela ou bien au kokako sambela le juste yo mon komi juger ça la constat. Et t'as bien constat toi-même. Est-ce que tu as toujours la force de te lever et prier ou il y en a plus? Atotuni petit garçon nangai mdele akoyise. Atotuni ba sécurité nanda ko ba koyise. Tu peux de demander à chaque jour Esa et continue makila. Pose la question n'importe qui autour de moi. Chaque jour, c'est comme quelque chose qu'on m'a éjecté dans mon vie. Alléluia. Amen. Total. Lisons. Chapitre 12, verset 1 et 2, Romains. Romains 12, verset 1er, je lis au nom de Jésus, version d'Arbi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Verset 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Bonne et agréable et parfaite. Alléluia. Ok. Alors, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu? Bon et agréable et parfait. Place Wanande, communion dans la parole et continue à kati. Place Wanande, Yesu Azoloba, oko vivre te na oyo seulement, mais par la parole. Vous voyez? Amen. Parce que l'iloba zambe, tango zo mitala na kati ya tala tala. Quand tu te mires par le miroir de la parole de Dieu, tu finis par la ressembler. Et loko mutu ayokaka et travaille kaye. Ce que l'homme entend travaille son intérieur. Ce que yoka liloba zambe tout temps et qu'on produit il fait na katina. Si tu écoutes la parole de Dieu à tout moment, cela produira certainement de l'effet en toi. Ce que boti bébé lelo, papa congolais, maman congolais. Mais au cabi moi na wana il y a 3 mois 6 mois au pessi chinois dans 5 ans kende ozo mana nayo akobana ko lobai iho ahui wi ha wi
olobi boni mwana ihoha huhi parce que lokwa zo yoka pendant 5 ans yangwana amen makike yo ndio boti mais lokwa zo yoka yangwana so tant que ozo yoka liloba zambe quand tu écoutes la parole de Dieu et qu'on crée impact na vie na cette parole créera l'impact dans ta vie. Alléluia. Amen. Yakoboni Satan a dasuki na derrière toi à l'ingi communion fraternelle ya bana nzambe lisusté. Voilà pourquoi le diable s'est élevé en ces derniers temps. Alléluia. Voilà. Na mboka mzuzu na yogi kutu basbe annoncer que côté ya lisusté na kombo ya soki o téyi ba kotia ngona kati ya constitution o téyi to kangi oké na boloko. Oui. Il y a une autre nation, c'est écrit clairement dans la constitution. Interdiction de parler de Jésus. J'aime la parole de Dieu. Aux gens a besoin d'interpréter en commune. Alors, nous ne combattons pas contre la chair et les sons. Contre les principautés, le pouvoir, les autorités, yes, qui est dans le ténèbre, voulaient contrôler et régir notre monde. Clair, bien dit. Satan a qu'une mingité, a zo utilisé kaka batouana, oyo bavandi, na place, ba bengi pouvoir. Il utilise seulement des personnes qui sont dans clair. Les appelés. Nous avons l'expression, liberté de l'expression. Qu'on pratique yon soling selon toi, aux chrétiens, aux hindous, aux musulmans, aux anini. Mais c'est la guerre entre lumière et ténèbres. Il y a la liberté des cultes, mais le fait de commencer à interdire, là, ça devient autre chose. Je suis ici pour te dire, Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Voilà pourquoi il est combattu. Voilà pourquoi il est combattu. Alléluia. Amen. Version parole de vie. Romains 12, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Mais laissez Dieu vous transformer en donnant une intelligence nouvelle. Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Voilà. Ainsi, vous pouvez savoir ce qu'il veut. Yasuka. Ce qui est bon, oui, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Oui, Zabalamo Benza. Yangouana, il faut tout zonga na katia lubanae pour un renouvellement de notre intelligence. Voilà. Rentrer dans sa parole pour renouveler. Bilei ya molimo eza liloba ya zambe. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Voilà. Dès que nous nourrissons le corps, il faut nourrir sa molimo. Dès que nous nourrissons le corps, nous devons nourrir l'esprit. Jean 6, 63, Yeshua lobi. Mes paroles sont esprit et vie. Et c'est l'esprit qui vivifie, la chair profite de rien. So, au lingi kondima na yekufate, banque ya kondima, c'est la parole. La foi vient parce qu'on entend et on entend par la parole de Dieu, pas les paroles des hommes. Parce que nous avons la parole des hommes, okufa, spirituellement. La foi vient parce qu'on entend et on entend par la parole de Dieu. Si tu ne veux pas voir ta foi être anéantie, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Car Christ a dit, sa parole est esprit et vie. Et Romain nous dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. So, la banque de la foi, c'est la parole. Banque a conduit Maïsan et Loba. Voilà. Et comme il est en train de viser notre foi ces derniers temps, jusqu'à ce que Yeshua soit quand je vais de retour, trouvera-t-il la foi? Qu'est-ce que nous devons faire? Tozogila, ma commis. Zala na vie à communion en privé.
pas seulement quand on vient ici. Oh mon Dieu. Tu vas les chercher à prier là. Na rappelé na zote ya na telimka na chero na zolo baké. OK. Oko soki ozana oko soki ozana konimate oko vivre dengeni. Parce que si tu n'as pas la foi, comment tu vas vivre? Ba maladie moko ezo ya na mokili oyo. Eko zana na mupepe. Siko oko pe malisuste. Batu oyo bazana kitu wana ba yebike na lobango. So ela alobi les choses vivra pas. Siko oko pe malisuste. Yango to komi. Nous avons atteint ce temps dont j'ai parlé il y a quelques années, quelques mois passés. Batmosu bazo ki doko tonga ba bonke, po ba kima na kati ba yibi lokwa, ba kima ba bomba na kati ya bonke. Il y a des gens qui bâtissent de bon cœur pour aller échapper là-bas. Yo so wana bazo sala, ba ki doko espionner lune, ba ki do vanda kuna po ba yibi ki awa ba ko bebisa. Mais Yesu Masia za au contrôle. Et tout ce qu'ils font comme recherche astronomique pour explorer l'espace pour aller y réfugier là-bas parce qu'ils savent qu'ils sont en train de détruire la terre. Yango, il faut zala nakondima. Les justes vivra par sa propre foi. Et la foi vient parce qu'on entend et on entend à travers de la parole de Dieu. Natikali na 5 minutes. C'est ça. Romains 12, à partir du verset 2, version légale. Oui. Bolanda biseleli ya bato ya mokili oyo te. Kasi botikela nzambe nzela ya kopesa bino mayele ya sika. Mayele wana okozwango wapi ya sika? Okozwango wapi? Na nzela ya makomi. Na nzela liloba naye. Aha. Continue. Kasi botikela nzambe nzela ya kopesa bino mayele ya sika po bongwana. Boko mabato ya sika. Boye bokoki koyeba makambo nzambe alingaka. Makambo okoyeba makambo nzambe alingaka denge nini? Na kati ya makomi. Comment saurais-tu ce que tu aimes? Boye bokoki koyeba makambo nzambe alingaka. Bi. Makambo oyo ezali malamu. Malamu. Oyo esepelisaka ye. Pe oyo ezali ya kokoka. Ya kokoka. Yambango lui apatia meno. Reçois la grâce à partir de maintenant. Communion nayo dans la parole. De bâtir ta communion dans la dans parole. Dans ces derniers temps. Au nom puissant de Jésus. Nasambeli. Je prie. Okobungate. Tu ne seras pas égaré. Moko na bisote akobunga. Nul d'entre nous ne nakombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Et denge ozokota na kati ya makomi. Dès que tu entres dans les Écritures. Nasambeli. Je prie. Misu nayo ya molimo efungwama. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Comme David a écrit à l'obi, ouvre mes yeux afin que je vois les merveilles qui est caché dans ta loi. Dès que tu nages dans les sacrifices, nasambeli, je prie ya molimo nayo efungwama complètement. Que les yeux de ton esprit s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Na banzi bo pambolami. Je pense vous êtes béni. Atana sambeli po na yote yeba ke deke osimbi ekran wana is a point de contact ngwe zambe kote lio impose yango na bisiko lingi e okomona loboko ya zambe e kwa jina vina ye. Amen. Bandeko bien aimé, lelo c'est mercredi. Aujourd'hui c'est mercredi. Le jiju e pusani pembeni. Le jour J, le jour J. On a transformé Boyebinga déjà. Les nini? Jour J. Ok, les jours J. Ok, on a vu les J jours. Papa d'ailleurs a formé la kayaye. Ok, les jours J. Et c'est Poussani Pembeni déjà. So, samedi, tu as une réunion avec serviteur au Koko Zangate. Tu as une réunion à 17h, n'est-ce pas? Yes. Voilà. Et c'est-à-dire, quand nous parlons des serviteurs, nous parlons des protocoles, des chorales, des sécurité, des nettoyage, évangélisation, tout ça, pour tout bon gamin, pour dimanche. OK?
kobosanate yaka na ba mesure barrière ya kashine kash zolo nyoso wana oyena ngo tokovana to sangisi mutu ensemble. Alléluia. Amen. Zambé apamola bino et aussi na nina pesa communiquer oyo que dimanche nous avons deux cultes. Dimanche to kozala na mayanga ni mibale. Ya liboso à 6h. Ya ya bego banana 6h. Ya mibale à 9h du matin. Le second à 9h. 6h à 9h du matin. Et yeba ke 45 minutes après cute bandi toko kanga porte yango zala ponctuel. Mercredi toujours à 10h. Vendredi tozana deux cute aussi. Premier cute 16h30 à 18h et deuxième cute 18h30 à 20h. Na singi ba mama na biso ba mama mikolo bango ba kokoya na premier cute vendredi na 16h30 et batu ba kenda pon abakei pon na musala bango ba ye na deuxième cute na 18h. Pona batu oyo batindaka semence kouta libanda ya mboka ba dimba action de grâce tout ça offrande, s'il vous plaît tozolo ba ke combo échanger et allez soutenir papa Fulgence Ndula azana biso mais il est très fort yango ana to pesibino combo mususu oyoboko balotina eza Mudiai Shibala Claude. Mudiai Shibala Claude. Désormais envoyé des semences par le nom Mudiai Shibala Claude. Eko koma na ekran wana na kombo na ende boko tinda yonso parce que soki otini na kombo a papa Fulgence il est en repos na minute oyo tozoloba mwen akende ezate que Dieu vous bénisse pour la bonne compréhension. Que mon Dieu vous bénisse. Toko kutana kala mingi te. Je vous aime. Ciao. Le temps de témoignage. Petela Yesu maboko makasi. Bonjour papa Dayo Samuel. Ezanga ser mimi na eko pesa nzambe na ngai merci na oyo asali kati na papa na ngai. Abikisi papa na ngai azalaki na maladi makasi ti ekendaki asala AVC. Menzambe na bolingo na ye tango asali AVC na bandi kobondela na ba priere oyo lakisa biso na kamati makila Yesu na melisi ye tango na melisi ye etoke na ye na hopital nzambe asali ya minene loboko ezongi normal nyonso ezongi normal atu traitement pe abima ki yango na eko pesa nzambe ya papa Dayo Samuel. Merci daddy nzamba koba na kopambola yo nzamba koba na kobatela yo na libota na yo abakisela yo yebele pote okoba kana kolendisa biso na losambo na yo. Merci papa daddy. Petela Yesu maboko makasi. Na prophétisé na vine. Na sakola na boye. Bista baninga bazo kufa ko kufa te. Eloko pomita tena yo ko poma yote. Eloko pomi mama yo ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque action. Bon tourné. Tu vas savoir. Adoye maike. Que la vie est spirituelle. Et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Va commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya denywa.